السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله نقرأ فرنسية. Les apprentissages en français. مستوى الرابع. والعنوان Tout est pour les invités. هيا نبدأ وفرجة ممتعة. De thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, si le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie de thé, on utilise un service spécial en métal ciselé comprenant un bouilloire, deux plateaux rondes à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On demande également à jeter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de cacao au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations. Et on raconte des histoires généralement. On sert les invités trois fois. ودابا نبداو نحاولوا نعاود لكم العنوان دو تي بور لي انفيتي. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent aux présences des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant un bouilloire, deux plateaux rondes à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et deux morceaux de sucre dans tes poings. On demande également à jeter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de cacao au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires généralement. On sert les invités trois fois. دابا ان شاء الله نقراو ثلاثه المرات باش تعقلوا مزيان هاد لو تيكست ونقولوا لكم توتي بور لي انفيتي. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent aux présences des invités. Selon les familles, si le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant un bouilloire, deux plateaux rondes à trois pieds.
Sur le premier, on dispose des verres travail et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans tes poids. Au pont est calmement ajouté des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteau au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires généralement. On sert les invités 3 fois. نتمنى ان تعجبكم هذا الفيديو وتقراو مزيان دي تي بور لي زانفيتي. ما تنساوش ديروا لينا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لاصدقائي وصديقاتي اللي تتفرجوا في هذا الفيديو والى اللقاء وفرجه ممتعه. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، شكرا على المتابعه ديالكم. واذا كانت بنتي يعني نالت الاستحسان ديالكم وراقت لكم فراح نخليها يعني تشارك معكم تمارين المنزليه، علاش لا، وتمارين تخدمهم معكم ودير لكم لي فيديو. الا عجبتكم بنتي ردوا عليا في التعاليق ونخليها حتى يدير لكم تمارين تشارك معكم التمارين ديالها. ونخليكم مع تتمه الفيديو، والى اللقاء. فرجه ممتعه مع فيديو جديد. مع السلامه.